Je suis née, moi, d'une famille modeste, père commercial, mère infirmière. Après le bac série D, j'ai voulu faire médecine, mais bon, je me suis engagée vers des études de banque en BTS pour finir vers une ingénierie finance-comptabilité. Et après mon diplôme, je prends tout ce que je trouve pour pouvoir justement remplir mon CV. Donc, je tombe sur un stage en banque, après une maison de couture, après une maison de pneumatique. Enfin, je ramasse tout pour finir sur une entreprise qui fait de la représentation de compagnies aériennes et agences de voyage. Ce domaine m'a passionnée énormément. Je commence là-bas en 2003 et j'y apprends que les procédures, c'est très important pour une entreprise. Alors, 2008, je sors de là à cause de ma grande gueule. Je me fais remercier d'ailleurs. Et partant de là, je décide de prendre mon envol en créant une petite agence de voyage. Dieu merci, j'arrive à un moment où tout est dématérialisé dans le secteur d'activité. Donc, les réservations, les cotations, les billets d'avion, tout, c'est par mail. Quel bonheur! Donc, je n'ai que pour charge mon véhicule. Je me déplace uniquement pour déposer les factures et récupérer mes sous. Tout va bien au niveau de l'entreprise. À un moment donné, quelque chose ne va pas. Je dois aller chez le coiffeur. Bon, je stresse. Je dois me défriser. Aïe, ça brûle. Bon, ok. J'y vais quand même, malgré moi. Je me défrise, ça brûle. Ok. Un mois après, les nouvelles repousses arrivent. Aïe, qu'est-ce que je fais? Je n'ai pas une tête présentable. Bon, ok. Les tissages, les tresses, oh là là, douleur à n'en pas finir. 3 jours de cachet, ça ne passe pas. Alors, on continue. Et là, quand on les enlève, quelle souffrance! Les cheveux sont dans les mains. Et je ne vous dis pas, c'est vraiment douloureux, ça pince le cœur. Mais que faire? Je pense que ce n'est que ça que je peux faire pour être belle. À côté de cela, j'ai 2 filles, je ne veux pas les défriser. Mais c'est la croix et la bannière quand il s'agit de les coiffer. Elles pleurent à n'en pas finir. Et pour dire, comme vous voyez là, je pense que nous avons toutes vécu ce genre de difficulté-là. C'est vraiment difficile, c'est vraiment problématique de se retrouver avec des images aussi difficiles. Je n'arrive pas à faire. Ok, d'accord. Alors, c'est vraiment stressant. Vous avez des cheveux qui partent, des enfants qui en souffrent également. Voilà, vous avez une tête qui est complètement cramée à la suite d'un défrisage et c'est vraiment, ça fend le cœur. Et toutes ces problématiques-là, c'est ce que nous, Africaines, c'est à cela que nous nous exposons tout le temps, tous les jours. Sans compter, je veux dire, le côté psychologique que cela traîne. On est miné, on n'est plus avec toute notre capacité quand on va au travail. Parce qu'on développe justement après ça des systèmes de camouflage. Alors, on réfléchit et me dit, bon, ok, quelle solution apporter? Je bouquine sur Internet, je prends tout, je lis, et je me rends compte que, bon, ok, on peut créer un centre de soins capillaires complètement dédié aux cheveux de type africain. 2 amis, que j'appelle pour la rescousse, parce que bon, vous savez, chez nous, hein, les banques, ça ne vous aide pas. Hein. Donc, sur la base de l'agence de voyage et les 2 amis, donc, on rassemble les sous et on bouquine, et je décide de partir aux États-Unis pour voir un peu ce qui se passe là-bas, puisque, entre-temps, je constate que le mouvement est vraiment bien implanté. J'y vais, je
rassemble tout ce que je dois rassembler comme information. Je fais une bonne sélection au niveau des produits cosmétiques. Je reviens à Abidjan. Et là, on cherche un local, on le trouve et on installe. On recrute du personnel. Je les forme, toujours en ayant à l'esprit que les procédures sont très importantes. On démarre l'activité. On embraye beaucoup plus sur la sensibilisation. Et l'affaire commence à prendre. On bouge. Et on fait des workshops, on fait des émissions télé, on intervient dans les journaux, dans les médias et tout. À un moment donné, on décide d'embaucher un webmaster pour faire à la fois, pour positionner la marque et aussi pour faire de la veille sur les réseaux sociaux. C'est là où un des partenaires décide de partir. Et manque de peau, elle part avec tout le personnel. OK. On reprend l'activité. On remet en place une procédure pour pouvoir recruter. On reprend des nouvelles personnes. Je les reforme et on repart. Entre-temps, j'avais commencé à faire le constat que les produits qu'on utilisait n'avaient pas vraiment les effets escomptés. Que faire ? Commencer ça et là, les renforcer avec des ingrédients naturels locaux. Et voici qu'on arrive à un point où la demande au niveau des produits que je fais de façon artisanale devient insuffisante. Et là, je commence à rêver. Je dis, oh là là, je regarde L'Oréal et j'étais à la maison et je rêve. Je rêve de devenir comme L'Oréal. Et vous savez quoi? Mon fils de 13 ans à l'époque, il me dit, « Mais maman, tu dis vague !» Je dis, « Ah, bon, ok. Tu retiens ce que tu viens de dire. D'ici quelques années, on en reparle. » Et on continue. Je continue de divaguer. Je reprends donc la sensibilisation et tout. Et je me rends compte que la classification qui a été faite au niveau de nos cheveux par les Occidentaux n'est pas conforme à ce que moi je constate dans mon travail. Donc je reprends complètement la classification, je m'entoure de spécialistes, je contacte l'UFR de pharmacie galénique de l'Université de Cocody, dermato et tout, pour pouvoir justement mettre sur pied une gamme de produits adaptés à notre chevelure et notre cuir chevelu. Donc, cette divagation m'envoie tranquillement vers l'installation d'une unité de production, voilà, à très court terme, pour les produits de nos cheveux. Et aussi, soit dit en passant, nous sommes aussi en train de réfléchir pour proposer à celles qui veulent s'en sortir, aux personnes qui veulent s'en sortir de l'usage des produits dépigmentants, nous réfléchissons aussi pour leur proposer des produits dans ce sens-là. Nous envisageons aussi d'ouvrir plusieurs centres capillaires à très court terme et nous sommes lancés donc dans ces différents projets. Alors, aujourd'hui, je voudrais particulièrement, avant de finir mon propos, faire un petit coup de gueule. Nous, femmes africaines, ou nous, Africains, nous ne venons pas de tomber du ciel. Quand je regarde ces firmes internationales qui nous ont encouragés depuis tout le temps à nous défriser, à exposer notre santé, je pense qu'il y a une responsabilité là. Qu'ils ont loupé. Avec tous les moyens qu'ils ont, tous les laboratoires qu'ils ont, je pense quelque part qu'on aurait pu sensibiliser de la même façon que les personnes, les entreprises, les firmes de tabac ou d'alcool nous sensibilisent sur l'abus de ces produits-là. Ces firmes-là auraient pu également nous aider dans ce sens-là. Aujourd'hui, on voit qu'il y a un retour au naturel et tout le monde s'y met. Parce qu'il y a du profit. C'est vrai, le profit, c'est important. Mais moi, ma passion,
c'est d'abord de chercher à rendre service sincèrement. C'est très important, rendre service sincèrement. Et parce que nous, Africains, nous avons des valeurs au niveau de la beauté. Et mon rôle, moi, Fleur Zébi, c'est de mettre en valeur la richesse que nous avons dans notre beauté africaine, de vraiment remettre cela en valeur pour que soit pérennisée notre santé, notre éducation, nos cultures, et que nos enfants puissent savoir pourquoi ils vivent et comment est-ce qu'ils doivent mener leur vie. Donc, vous voyez toutes ces belles coiffures que nos cheveux arrivent à faire. Ce ne sont que des cheveux. Et je vous remercie. Le TED vise à apporter des idées nouvelles qui changent le monde. Est-ce que vous pensez que l'entrepreneuriat est assez valorisé en Afrique et surtout en Côte d'Ivoire ? Oh, si l'entrepreneuriat est assez valorisé, qui doit valoriser l'entrepreneuriat? Bon, si on regarde du côté des gouvernants, je dirais non. Par contre, si on regarde que les gouvernants, on va s'asseoir et on fera rien. Donc, l'entrepreneuriat va être valorisé par des actions comme TEDx, où des jeunes, des personnes qui ont des idées nouvelles viennent s'exprimer, viennent démontrer, viennent expliquer ce qu'elles font de particulier pour inspirer d'autres. Donc c'est en ce moment-là que l'entrepreneuriat peut être valorisé. Mais sinon, autrement, c'est difficile. Vous, qu'est-ce que vous pensez de l'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire ? Est-ce que j'ai une idée particulière? Je dirais que partout dans le monde, vous avez des personnes qui ont des idées fantastiques, des idées novatrices. Est-ce qu'elles arrivent à transposer ces idées-là? Est-ce que ces idées-là sortent par les mains, par les pieds? Quand elles arrivent à sortir ces idées-là par les mains, par les pieds, en ce moment-là, les choses bougent. C'est sûr que quand on n'a pas, je veux dire, les médias qui mettent le focus sur une activité en particulier pour montrer qu'il y a des choses qui se passent, il y a des personnes qui pensent, il y a des personnes qui réfléchissent, c'est sûr qu'on a l'impression que, bon, il n'y a rien qui se passe. Mais dès que le focus est mis sur ce que les gens arrivent à faire, avec très peu de moyens, avec vraiment leur volonté et tout, automatiquement, on comprend que ça bouge. Mais quelque part, je pense que ça bouge. En Côte d'Ivoire, je pense que ça bouge, qu'il y a beaucoup de personnes qui s'y mettent, qui se jettent à l'eau et puis qui arrivent à sortir. Encore faut-il qu'elles soient bien encadrées, qu'elles puissent trouver des personnes vraiment pour les soutenir, pour les encourager et pour les aider à bien avancer comme il faut. Faire la promotion de l'entrepreneuriat, c'est forcément positif. En notant que cela puisse inspirer d'autres, montrer à tout le monde, montrer à ceux qui pensent que bon, peut-être qu'il faut, je ne sais pas moi, des millions ou quoi pour pouvoir entreprendre quelque chose. Chacun comprend qu'à son petit niveau, avec une idée, avec une petite lumière, on arrive à faire des choses extraordinaires, on arrive à transformer le monde, pourquoi pas. Magic Builder, notre souci, votre bien-être.